Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Copa America Tour. Avant que la vidéo commence, je tenais à dire merci aux nouveaux abonnés, aux chaînes communautaires qui m'ont upload et qui vont m'upload. Et ben tout simplement merci les gars pour les nouveaux abonnés parce qu'on a pas mal monté en ce moment grâce aux chaînes communautaires. Et merci. Donc aujourd'hui, nouvel épisode avec une belle petite équipe avec quelques cartes bleues, un IMOTM, un IF. On va tout de suite partir sur l'équipe les gars. Et voilà les gars, une petite équipe d'Uruguay, une équipe sympathique hein, avec le IMOTM Cristiano Rodriguez. Donc c'est pas des joueurs de fou les gars, vous le savez, je mets pas souvent des joueurs de fou, mais on a quand même y a 5 TOTS, un IF, un IMOTM. Je pense que l'équipe est assez sale quand même. Donc on va tout de suite partir en match les gars, on se retrouve dès que j'ai trouvé un adversaire. Alors, on va voir son équipe, Serie A. Ouais, ben voilà, c'est une Serie A. Une Serie A assez simple. Ouais, en 3-5-2, rien à dire. Les gars, on se retrouve pour les meilleurs moments du match. Oh, Rodriguez direct. Boum! Oh! Ça a failli commencer direct, les gars. Wow, sérieux? Hamzik. Wow. La grosse frappe d'Hamzik là, c'était sale. Ah, on n'a pas de cul. Allez, 1-0 les gars pour lui. Oh non. Oh non. Sérieux? 2-0 direct comme ça. Ça va être très chaud les gars. On va essayer de remonter. Allez, c'est parti. Allez, boum. Eh oui les gars. Allez, 2-1. On remonte tranquillement les gars. Allez, 2-1. C'est parti. Là-bas, tu l'as vu au fond. Boum. Oh le poteau. Putain. Et ça court, et ça court, et ça court. Oh merde, quelqu'un savait, savait, savait ça. Oh là là. Allez, allez, passe. Allez, passe. Il est passé, et boum. Et oui. 2-2, les gars. Il est passé, le petit, je sais plus, fort, Buffarini, Farini, je sais pas quoi. Regardez ça, au physique, il est passé, bim. Et boum, allez. 2-2, les gars, je vous ai dit qu'on allait remonter. Oui, on roule. T'as pas fini. Ah putain. Pas de cul. Et boum. Oh, est-ce que je te frappe. Ah, y'a des culs. Eh oui gros, à force de courir. Courir tout droit et rien faire. On la sort la balle. Et oh putain, je pensais qu'il y avait but, poteau. Oh non! Oui! Non! Oh non! Mais c'est pas sérieux ça! Eh non! Le mec, j'ai fait le double des tirs de lui, frère! Et... Putain! Non, c'est pas des buts ça! Pas de cul, les gars! Bon, mais c'est fini, les gars! Bon, il a marqué à la 90e ou 89e! Je pense qu'on méritait un peu plus que lui de gagner! Bon, peut-être pas après, mais on va quand même aller voir les stats! Ouais, quand même! Hein. Il a fait deux tirs cadrés, il a marqué trois buts, donc c'est un peu bizarre quoi! Donc on va se retrouver sur l'équipe, les gars! Bon, voilà, les gars, l'équipe! Il y a deux joueurs qui veulent des contrats, on leur mettra après, mais pour l'instant, on va se concentrer sur l'équipe! Donc, les joueurs que j'ai retenus, franchement, c'est lui, 7 matchs, 8 buts! Je l'avais déjà testé, mais je l'avais pas trouvé top! En fait, je pense que c'est parce que je l'ai mis dans une équipe pas trop bonne, et là, l'équipe est vraiment bonne! Et le deuxième, on va dire lui, l'Odeiro, même si c'est pas extraordinaire non plus, c'est il est bon quand même. Et lui c'est un coup de cœur. C'est que je là il a pas marqué, mais je l'avais déjà testé dans une autre équipe avec André-Pierre Gignac. Ah, franchement c'était une tuerie ce mec, il est vraiment très très fort. Donc n'hésitez pas à le tester celui-là, c'est vraiment le joueur à tester. Donc là les gars, si cette série vous a plu, enfin si cette série n'importe quoi, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires quelle équipe vous voulez voir pour les prochains épisodes plus rapidement que d'autres. Et voilà, c'était un peu tout pour cet épisode les gars. Ciao.